Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut utiliser OpenSankore dans le cadre de la résolution de cet exercice de géométrie. Donc nous allons capturer cet exercice en utilisant l'outil Capture pour avoir l'exercice avec sa consigne. Nous allons cliquer sur le bouton Ajouter sur une nouvelle page. Alors nous allons mettre un titre maintenant sur la page de titre. Comme ceci, recherche de triangle dans une figure complexe. Nous allons, voilà, alors on va peut-être réduire comme ceci, nous allons centrer et puis nous allons mettre une couleur comme ceci, voilà. Donc nous avons le titre de notre page, nous avons ici l'énoncé du problème, une recherche de triangle. Donc on s'aperçoit qu'ici on a plusieurs types de triangles, des petits mais aussi des plus grands et encore plus grands. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir trois fois cette figure. Donc nous allons capturer cette figure. Alors nous allons aller au plus juste. Nous allons l'ajouter sur une nouvelle page, comme ceci. Et nous allons la dupliquer trois fois. Pourquoi? Eh bien parce que pour la recherche des triangles, ça va être beaucoup plus pratique. Alors, on décale. Ensuite, on va avoir besoin d'une couleur et de cet outil pour pouvoir repérer les petits triangles. Donc celui-ci. Donc on va d'abord identifier un petit triangle et ensuite nous allons prendre un trait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut donc écrire le résultat ici, 11. On peut faire la même démarche pour celle-ci, mais cette fois-ci, nous allons chercher les triangles composés. Alors, composés, en fait, de 4 triangles. Donc, on a celui-ci. On a également... Alors, on va changer de couleur, celui-ci, voilà, on en a un autre ici, donc on va, voilà, voilà, comme ceci, donc nous sommes déjà rendus à 3, et on en a un autre ici. Qui se ferme ici, donc ce qui fait 4. Alors, hop, voilà, nous allons écrire, alors qu'est-ce qui se passe, hop, nous allons écrire comme ceci, donc 4 triangles moyens, on va les appeler. Donc ici 11 petits triangles. Et qu'est-ce qui nous reste à la fin? Eh bien des grands triangles. Alors là on va changer de couleur. Donc je vais prendre une gomme, hop, pour effacer. Voilà. Donc je reprends mon trait, je vais prendre ici, voilà l'épaisseur du trait, je vais prendre du rouge. Donc on a celui-ci, celui-ci, et voilà, un grand triangle. Attention, l'erreur classique, c'est de voir un triangle ici, alors qu'il n'existe pas ici.
de petits triangles qui permettraient d'avoir hein, effectivement ce triangle là. Donc on n'a pas hein, on n'a pas de triangle ici. Pourquoi? Parce qu'il nous manque effectivement. Voilà. Donc si on écrit le résultat, eh bien on a un grand triangle ici. Donc 11, 4 et 1, ça nous fait 11, 4 et 1. Il suffit d'écrire la réponse ici, tout simplement. Donc on voit l'intérêt ici de dupliquer autant de figures qu'on en a besoin, très simplement dans OpenSancore, et d'utiliser des couleurs et les outils pour identifier, repasser par-dessus avec soit des points, soit des couleurs pour ne pas en louper et recenser tous les triangles.